tem ime ni ti gba mo so ta no wa dwa so igbu igbu bua ta pa re ta is como pa re ela gateki na ko dinu ta gateki dinu ba na ko est-ce que je dois l'associer, c'est une bonne chose. Vous Et puis tu es là, tu es dedans, tu as vieilli dedans. Puis quand tu es comme il n'y a pas de retraite là-bas, tu es en train de prendre retraite dans ce soleil. Tu as vieilli dedans. Tu as dit ça une fois à qui? De t'enlever ça. Et pourquoi? C'est bon. Là, c'est bon pour la vie, maintenant. On va finir en haut libéré. La vieille, ne pas les chercher. Au moins ici, on ne s'envole plus. Ici, pourquoi s'envoler? Je vous demande. Tu ne peux pas t'envoler ici. J'ai dit, pourquoi tu ne fais pas sorcellerie, tu ne vas t'envoler pas. Et vous allez à plaisir, à me donner le nom. Tu sais pourquoi ne pas les prendre, parce que tu sais que je t'envoie ça, tu vas mourir, c'est pas bon. Tu as gâté qui? Tu as gâté qui? Tes enfants. Vous voyez comment Aveu prend du temps, ça prend du temps. Hein? Écoutez Aveu d'un seul sorcier, ça prend une heure déjà du temps. C'est stressant. Non, ça ne veut rien dire. Il ne faut pas généraliser ça. Tu as gâté qui est 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 qui Bien, faut donner une bouteille quand on a la bouteille dans l'engagement. Qu'est-ce que
André, il est où? Il est là. Tu as gardé quoi, André? D'accord, André, bon. On nous voit pour retourner, hein? André, la carte, c'est un peu un il s'est de nous, avant de venir dans le noir, pour les gens, pour qu'il y a pas de tu as gâté qui en papa André? Non, non, d'accord. Non, non, d'accord. Ok, on dit là, tu vois ça? Parce que vous êtes, c'est lui là. Je suis sainte. Ça peut être ta bénédiction, ça peut n'être pas bon pour toi. Mon souhait, c'est que Dieu te bénisse. L'âge que tu as, en principe, tu devais être bien. Tes enfants devaient travailler, s'occuper de toi. Or, tu viens d'avouer tout à l'heure que c'est toi qui les empêche d'avancer. Comment une propre mère peut mettre l'enfant au monde et être à la base d'un nouvel projet? Ah, mon Dieu, Je sens ma grande là où elle dit, pas de bien un peu. Ou elle peut rester. J'ai dit, ton année, elle dit non, non, non. Elle veut vous un peu aussi. Les enlever un peu. J'ai dit, ok, il faut boire l'huile. La pâte t'a apporté. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est bon pour qu'on en ait petit? On en est tout. Je lui ai dit, il est beau de manager, on en est dit non. Elle veut aussi boire un peu là-bas. Et si tu bois, tu vas manger. Non, pour me défendre, tu ne peux pas te défendre. Sorcellerie, c'est des quoi ça. Il y a un gars cassé tes ailes. Il y a un gars cassé tes ailes. Il y a un gars cassé tes yeux. Deuxième yeux là. Dieu qui va pour y aller là-bas là. On a il faut verso parler pour dire je libère tel enfant, je laisse tel enfant, je laisse tel enfant, je les laisse, tu laisses tel enfant, tu le bénis, tu laisses tel enfant, tu le bénis, tu laisses tel enfant, tu le bénis. Tous tes enfants que tu as caché, dont tu as caché la chance dans le canari, tu sais, tu donnes le nom de ces enfants et puis tu les libères. Non, Il y a un peu de temps.
Je parle de ton dentaire, ton dentaire. Bon boulot, de manière pour parler. Quand il y a un boulot d'après, on peut y avoir des gens qui ont dit avant, vous voyez, une nation prophétique, hein. En anglais. Or, eux connaissent le pouvoir de la parole. Vous allez demander au sorcier, on dit ça avec la parole. Vous appelez son âme, c'est la parole. Les hommes n'ont qu'à avoir le bonheur. Les hommes aiment mieux chez eux. Je proclame la délivrance totale au nom de Jésus, de représentant de cette terre. Je proclame la délivrance maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, que tous ceux qui devraient connaître la mort, j'annule toute programmation de mort sur leur vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour la grâce et merci pour la bénédiction que tu accordes maintenant à ces enfants. Au nom puissant de Jésus, je proclame maintenant la grâce de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. La vieille, tu prends bien nous faire. Ce qu'on vient de faire, c'est très sacré. Tu as vu que toi-même, là, tu ne peux pas, tu as bâti, mais tu ne peux pas même demander tes enfants. Si tu retournes, les jeunes femmes mortes. Ton caméléon, ton pouvoir est détruit. Tu n'es pas mieux. Tu n'es pas content. Il y a un
J'ai détruit tout ton pouvoir. Tout ton pouvoir au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, tes yeux spirituels sont cassés. Ton avion est détruit. Tout ton pouvoir est gâté. Au nom de Jésus. J'ai détruit le pouvoir de ta confrérie contre tes enfants au nom de Jésus. Le jour où un membre de ton corps pur voudra s'élever contre tes enfants, qu'il tombe sur le jugement de Dieu. Amen. De Jésus-Christ. Je proclame la délivrance de tes enfants. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bah, quand on a une nouvelle année, pour la peine d'aller là-bas, vous allez la délivrer. Ok, voilà. Là, tu étais encore. Vas-y, là, tu étais prête à porter. Qui doit parler? Bien. On commence à être à tout. Dis ton nom, ce que tu as fait. Je suis sorcière. C'est maman qui m'a donné ça. Je me dis, c'est personne. C'est pas 6 personnes. Et bon, allons-y. 6 personnes. Mm-hmm. C'est personne, je me dis. Yahwa. Pogra. Yao. Afoua. Aussi. Il a rien, non? C'est des niveaux, Jésus. C'est des niveaux. À foi et génie. 6 personnes. 6 personnes. Mais t'as vu, c'est toi. J'ai dit Yahwa. Yahwa. Pogran. Yahwa. À foi et génie. À foi. Pourquoi il y en a combien? Il y a combien? Yahwa. Yahwa. À foi. Pogran, Yao, Egenu, Teia, tout compte fait, je ne parle pas. Hein. Non, je ne parle pas, je vais pas parler parce qu'il faut que toi-même tu reconnais la puissance de Dieu. Je ne parle pas. Comme tu dis 6, moi il dit 10. Non, c'est ça, c'est ta parole contre ma parole. Ok, tu vas finir de parler. On va verser lui la saison. Si toi tu as raison, on va voir. Je parle pas. Et donnant la possibilité de parler, tu ne veux pas parler. Et si là on parle, oui, allons-y. J'ai mangé 6 personnes. Tu as mangé. Est-ce que l'homme a fait pour manger? L'homme, tu vois là, c'est pour manger. Toi, tu es là pour manger l'homme. Est-ce que l'homme est fait pour manger? On écoute, tu as tes aveux. À pas manger là, tu as fait quoi? À pas manger là, il y a gâté ma fille. Je t'écoute, hein? Ma fille, elle a fait une chasse garçon. Tu veux quoi? Elle a fait une chasse garçon. Comment? Non, faut pas me dire, non. Faut pas me dire, j'ai fait ça comme ça. Faut bien expliquer. Ah, explique ce que tu as fait. Madame, expliquez. Il n'a qu'à se marier et puis il ne veut pas. Hein? Il n'a qu'à se marier et puis il ne veut pas. Vous faites la comédie. C'est comme ça de comédie. Depuis quand tu as sorcier, le sorcier va dire à quelqu'un, faut te marier. Hein? Tu n'as pas été donné pour ces garçons. Pourquoi tu ne vas pas au mari? Pourquoi t'envoies pas ça? Et puis tu dis à l'un canaka chez un de Marie. De toute façon, tu viens faire l'esprit de chez ce garçon là. Pourquoi t'envoies pas Marie? Hein? Il y a rien à casser Marie. Depuis quand ça aussi, vous faites bonne chose. Qu'est-ce que tu as gâté? J'ai dit, j'aime de payer quand je la fais pour moi. Il n'a pas payé. Ta fille, merci elle. Faut pas sauter le truc, ta fille. Ma fille. Donc j'ai dit,
J'ai essayé pour frotter son corps. Et puis, ça y est. Tout pourtant est sorti sur son corps. Tu savais quoi? J'ai essayé pour frotter sur son corps. C'est une pommade maintenant. Et puis, le bouton est sorti sur son corps. Et ça allait bien. Ça allait bien. Et tu es contente. Après, j'ai regardé. Tu as regardé comment? Pourquoi j'ai fait ça? Mais pourquoi tu as fait? Là, quand bouton gratte, quand ça gratte, tu gagnes quoi? Rien. Comment rien? Parce que quand tu mets quelque chose dans la vie d'un quelqu'un, c'est qu'il y a quelque chose que tu recherches. Qu'est-ce que tu fais en mettant bouton là? Tu recherches quoi? Parce que tu voulais l'avoir souffert. Oui, puis tu as gâté quoi encore? Donc, c'est ça, j'ai dit, Jean n'a pas pris le congélateur. Non, pour ta fille. Ma fille là, c'est ça, voilà. Et a fait des garçons. A fait des garçons. T'as des ferries? Non, je ne vais pas rire. Je vais comme une dîner. Non, je ne vais pas rire. Ok. Je la fais sur ce garçon. Comment tu fais? Tu fais quoi? Hein? C'est ma femme. Qui est ta femme? Ta fille, elle est quoi ta femme? La nuit, tu couches avec elle. Maintenant, tu dis que tu as gâté, tu as fait qu'elle est chez garçon. Comment tu as fait? Je tape mon fils la fille et tu la sors. Tu couches avec elle. Et puis tu as gâté quoi? Tu dis cher garçon. Comment ça? Qu'est-ce que tu as fait pour qu'elle cher garçon? J'ai parlé. T'as dit quoi? On parlait de nous et de nous. Tu parlais de nous et de nous. Pourquoi il va trouver une raison pour ce que c'est un garçon? C'est comme ça que j'ai dit. Tu vas avoir des garçons en garçon. C'est ça? Et c'est un garçon. Donc, vous voyez, les sorciers peuvent changer votre vie. Un matin comme ça, tu deviens la femme de tout le tout, toute la vie. Si vous savez, vient ici. Si ce n'est pas dit non. Au dragon est là. Ça dit, mais Guéhiver vient. Tout le monde est sur toi. Tu cherches. Quand c'est comme ça, on ne parle pas de mariage. Quand le jour où il va parler de mariage, c'est fini. Il embrousse. C'est comme si il ne t'a jamais aimé. Tu commences à sentir, il te dit, c'est fini. Tu couches avec elle après. Tu as fait comprendre. C'est fini. C'est ta fille, la vie. C'est tout ce que tu as fait dans ta vie. Les sorcières. C'est tout ce que tu as fait. Non, tu ne changes pas. Hein. C'est la seule que tu as gâtée. La seule fille que tu as gâtée. Hein? Oui, voilà. Tu as gâté une seule personne. J'ai dit, j'ai un décalé de faire la terre. Non, je demande. Tu as gâté combien de personnes? En tout cas, c'est ma fille là, j'ai gâté. Oui. Elle seulement. À part elle, c'est fini. C'est pas fini, mais je n'ai pas gâté. Madame, vous avez gâté qui? À part ta fille. Vous avez gâté qui? C'est Jeanne. Jeanne, c'est qui? Ma fille Jeanne. C'est qui Jeanne? Voilà ma grâce. Bonsoir Jeanne. Ta fille. C'est lui qui a dit. T'as fait quoi? Il a dit de payer moi, j'ai fait ce moment. Donc, il n'a pas fini ça. Ça, il a dit, si j'ai l'argent, je ne vais pas y aller. Si elle cherche l'argent, on va gagner. Tu as fait quoi? Tu as gâté son argent? J'ai parlé comme ça. J'ai dit si je cherche l'argent, il ne faut pas y aller. Il ne faut pas y venir t'asseoir. T'asseoir? En levant. Et puis tu as fait quoi encore? Ça fait une fois. C'est ça, j'ai dit. Tu as beaucoup son mariage? En tout cas, il n'a pas marié. Madame. Madame, ici, là, c'est pas, je ne suis pas en train de penser. C'est ce que tu as fait là, que j'aimerais que tu dises, pour qu'on te délivre. C'est tout.
Je n'ai pas besoin de parler à toi trop. Ce que toi tu as fait, je vais te dire, voyez ce que tu as fait. Or, ce que tu fais là, dans cette église là, ça te libère toi-même. Ça te libère. Ça fait ça encore. Voilà, c'est ça que je vois. Et la fille que tu as voulu manger là, t'as tué là. La fille que tu as tué là. Hein? C'est dans ma bouche, ça a sorti. Non, hein? Non. Va t'asseoir. Non, va t'asseoir, va t'asseoir. Pardon, papa. Va t'asseoir, j'ai fini. Baba, pardon. J'ai fini. Pardon, venez, qui va parler? Baba, pardon. Non, j'ai fini. Pardon. Tu vas rentrer et puis comme tu ne veux pas délivrer, baba, pardon. Moi je te laisse. Pardon, papa. Non. Baba, je ne suis pas venu. Non, tu rentres. Maman, tu rentres. On va verser. Tu vas rentrer. Moi, je m'occupe plus de toi. Pardon, Dieu même va se charger de toi. Va t'asseoir. Pardon, va t'asseoir. Pardon, je suis ressemble à quelqu'un, on doit fatiguer. Non, papa. Il faut parler. Non, hein, il faut parler. Je ressemble à quelqu'un, toi, pas. Non, papa. Ah, mais ça veut dire quoi, ça? Hein? Tu as tout le temps oublié. Pardon, papa. Hein? Pardon. Pourquoi me faire qu'on dit que tu changes de si je te force? Non, tu ne me forces pas. Tu es malade, tu as une maladie, on va t'enlever ça. Pardon, papa. Pourquoi je réverse les aveux? Tu sais, ça les fatigue. Oh, je vais finir avec une histoire. Je veux pas qu'on sente que j'en ai dépassé. Je te fasse pas. Va t'asseoir. Pardon, va t'asseoir. Toi, mais là, continue. On a un chat qui va attraper quelque chose. Ah, mais toi, tu viens là. On a un chat. Je t'écoute. Une personne, premièrement, qui sortit. Et tu es une personne. Et ma tante m'a initié. Mon père m'a envoyé au trésor d'aller retirer son argent. En partant, quand je suis arrivé à la maison, il y a des moyens, à la nourriture. Il y a mon père m'a envoyé au trésor. Quand il est venu, il va trouver ma part. Là, ma tante dit, ah, voilà pour moi que tu es là, pourquoi pour moi. Mais quand elle est mangé, la nuit, il va dormir, elle est venue me chercher. Quand elle est partie dans son royaume. Elle est dans son royaume, elle demande à ma tante, ah, mamie, qu'est-ce qu'il y a de l'impôt au feu là? Elle dit non, quand ça cuit, tu vas voir. Mais quand c'est cuit, elle a servi, ils ont servi tout le monde. Et puis ils ont donné ma part. Là, elle demande à ma tante, c'est quelle viande humaine? Elle vient de moi, non, c'est viande humaine. Que c'est viande de ta grand-soeur, qui est viande en 1997. Donc, c'est ça, et puis ça, il est plus préparé de dormir. Là, en un nom, il est bibliothèque régional de celui-ci. C'est à moi aussi, il est tué. Et puis elle vient et dit, ah, pourquoi tu tues mon grand frère? Elle me dit, ah, tu as tué ma soeur. Voilà pourquoi tu tues ton frère aussi. Donc, on a changé en bulle, on a préparé, à elle sort sa racine pour moi. Il a moyen la tête et le cœur. Après ça, il est tué encore. Il a tué une jeune fille en allant dans un funérail. Donc toi tu tues partout. Oui. Mmh? Oui. Ah, tes yeux, pardon. Tes yeux là. Donc tu es les gens. Quand tu es là-bas, tu te transformes en quoi? En tigre. Ah, tu as les yeux de tigre. Je me transforme en tigre dans la nuit. Et dans la journée, me transforme en chat. Ah, c'est le jeu des chats là qui fait. Mmh. Allons-y. On allait dans les funérailles. Mon ami a perdu son beau-père. Sinon, il est parti là-bas. Mon ami dit, ah, que vous venez m'aider, que vous t'arrêtez là-bas. Donc, il s'est arrêté là-bas. Comme il s'est arrêté, il y a une fille qui est arrêtée ici. Elle est arrêtée avec mon camarade là. Donc, elle s'est déplacée là, elle est jusqu'à où je suis. Elle dit, ah, toi-même, tu ressembles à diable. C'est la mère qui a dit ça. Oui, elle m'a dit ça. Mais après, qu'elle dit ton travail. Elle dit, toi, tu es un diable. Elle dit, non, mais elle est un diable. Elle lui a demandé, il t'a fait quoi avec une insulte. Elle dit, non, tu m'as rien fait. Mais il t'a insulté, il ressemble à diable. Là, il y a les gens aux alentours, les gens lui ont demandé, ah, le Seigneur t'a fait quoi? Et puis, tu l'insultes. Il dit, non, elle dit, non, il m'a rien fait, mais il est diable. La mère dit, ah, il t'a fait quoi avec une insulte. Je ne peux pas arrêter de me citer. Elle dit, non, toi, quand tu vois mon être, tu ressembles à un diable. Je me demande même pourquoi le jeune t'a dit de venir t'arrêter là, que tu ressembles à un diable. Là, samedi, il y a 10 heures, quand on a fini d'enterrer le camarade de mon papa, il a pris la route, moi et mes amis, on a pris la route.
Et puis elle tue derrière moi. Et diable, diable. Et elle dit à mes amis, ah, allez-y, il y a où tu viens en route. Elle me dit, elle est venue sans me trouver, c'est la route. Elle est venue me trouver. Elle me dit, diable, diable. Et puis elle ramasse le sable. Et puis elle jette sur moi. Et puis non, il ne faut pas faire ça. Elle a pris encore. Elle a lancé ça trois fois. Elle a pris pour moi. Puis elle parle dessus, puis elle a lancé. Trois jours après, elle est venue à vue. Maintenant, elle est venue à vue. Maintenant, après, maintenant, elle a réagi, elle me faisait pitié. Donc, on s'est changé. Elle me s'est changé en chat. Et puis elle est passée par derrière. Et puis elle a pris bois pour la tapis. En transformant un mouton, en amener, elle sort sa racine. Et en amener la tête et le cœur. Troisième personne. Maintenant, mon père m'a envoyé dans le campement, d'aller donner la nourriture au manœuvre. Une fois qu'il donnait la nourriture au manœuvre, nos voisins, il avait deux de ses fils qui étaient sorciers comme moi. Dans la nuit, on dormait. Et ils sont en temps en hibou. Ils sont allés descendre sur ma toiture. Donc, il a fait jour, c'est parti. Il dit, ah, que ce soit vos premières fois. Et vous avez regardé qui, la vie de qui? J'ai regardé la vie de deux personnes. Mm-hmm. Mon grand frère et ma grande soeur. J'ai regardé leur travail. Vous avez regardé le travail de tes soeurs, de tes frères? Je suis parti dans un lieu de travail. Il y a donné deux au mur, puis c'est rentré dans le mur. Mm-hmm. Je ne suis pas dit dans le bureau de leur patron. Et puis, il a fui les dossiers, puis il a vu leur nom. Il a barré leur nom. Pour ne pas qu'ils puissent avancer. Ça fait quoi encore comme leader?